Je suis née à la Selle-en-Morvan, à La Vèvre, lieu dit La Vèvre, en 1904, le 27 juillet 1904. Eh bien, alors moi, c'est donc le 31 juillet. Non, non. Et non, 31 octobre 1910. C'est l'inondation de la Seine à Paris. Les grandes inondations, voilà. On est tous nés à La Vèvre. Oui, toute la famille. La Vèvre. Oui. 5 garçons, 5 filles. Ça ferait au moins 250 ans que la famille Rollo était à La Vèvre. Non. C'est le comte d'Éternaux qui était notre propriétaire. Et qui était propriétaire. Et mon père louait la ferme. Il était fermier. Ben, il payait au mois d'avril et au mois de septembre. Il vendait une paire de bœufs, 900 francs, qu'il portait au compte pour le loyer de la ferme. Et puis c'était en or à ce moment-là. Et alors, il nous racontait que le comte d'Éternaux, il rentrait dans son salon, alors il allait le payer, et puis il avait son grand bureau. Il avait un tiroir et puis il faisait tomber les pièces. Grand-mère, elle est née en 1834 à la petite Verrière, ma grand-mère. Alors elle était restée chez ses parents et puis elle avait appris le métier de repasseuse. Les enfants, tout ça, ils avaient des chemises... gaufrée. Alors, elle avait des petits fers. Tuyautés. Et elle dit, moi, eh bien, j'ai un métier. Que j'ai appris un métier. Elle nous le disait souvent, moi, j'ai un métier. Et puis, elle était très gaie. Elle est très gaie. Quand on allait arracher le champ, elle chantait, il y avait les oiseaux qui s'en allaient. Hein, en l'air, parce que le chanvre, il montait très haut. Et puis, il s'attirait beaucoup les petits oiseaux. Puis elle chantait, elle disait, « Oh, on est comme sur le paradis !» Elle était très gracieuse, grand-mère. Beaucoup plus que son fils, notre père. Il était pour faire instituteur, notre père. Mais à ce moment-là, les instituteurs ne gagnaient pas leur vie. Pas comme maintenant. Et il avait des camarades qui venaient coucher dans le foin, dans le... Sur la paille, dans la paille. Ils ne pouvaient pas se payer l'hôtel. Oh, il a dit non. Faire comme ça, il a dit, moi. Autrement, c'est dommage, mais enfin. Quand notre père partait voir les bêtes, parce que le soir, il visitait les bêtes avec sa lampe. Tout le temps. Une lampe... Tempête, qu'on appelle ça. Et pendant qu'il était sorti, on s'attrapait les garçons, les filles, tout ensemble. Mais sitôt qu'il arrivait, on entendait du bruit. Alors souvent, les soirs, on faisait des prières. Grand-mère, on était au bout de la table, hein. Tout le monde se réunissait, papa entrait, il enlevait son chapeau, il était debout, et puis tous les petits à genoux, et quand ça commence à faire du chahut, grand-mère avec son petit bateau de rien du tout, elle ne savait pas qui c'était, elle te donnait les coups derrière comme ça. On n'était pas futés comme... les jeunes. Mais non, parce que je vais dire, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas rien du tout. On s'en arrangeait. Hein? On ne s'ennuyait pas. Non. Oh ben, les jeux, c'était dehors, mais on ne jouait pas trop dehors. On jouait à la marelle. On jouait des jeux comme ça, comme... C'est tout, mais pas trop. On allait plus d'eau aider quand on pouvait, aussitôt qu'on a pu aider à ratisser le foin. À mettre en route. Quand on était plus grande, on aidait au foin, à faner, tout ça. Et puis... Notre père avait des commis. Il en avait toujours 2 ou 3, ça dépend. Parce que nous, on n'arrêtait pas. C'était à ramasser le petit bois. Vous savez, quand on fait des fagots de bois, alors le petit bois, c'était pour allumer la chaudière pour les cochons. On faisait des petits paquets comme ça. Alors, préparer les soirs, c'était notre travail. Rentrer le bois à la maison. Le petit, le gros.
On allait ramasser les pommes de terre pour les cochons, qu'on les fait cuire dans le grand récipient. Dans la chaudière. Quand on revenait de l'école. Les soirées, on les passait à tailler avec le chanvre. Parce que, alors, tout ce chanvre qui était récolté, alors c'est l'hiver, alors c'est grand-mère, maman est avec nous, puis tous les petits là, ils les mettaient en botte. Parce qu'il avait bien 2 mètres, les tiges de chanvre. Alors, en botte, il les liait bien et il les mettait trempés dans l'eau. Une fois que c'était bien trempé, il les remontait le long des haies. Là, derrière chez nous, il y avait des haies. Il les défaisait et il les mettait allongés pour que le soleil vienne vite les sécher. Alors, ils étaient bien secs, là... ils en faisaient des petites pour pouvoir les porter parce qu'on ne pourrait pas monter ça dans la grange, je ne sais pas où. Et bien c'était là, alors ils les faisaient, alors on les cassait, alors on prenait une tige, on la cassait à peu près à cette longueur-là, et puis on cassait, et alors on enlevait la fibre dessus. Et on la mettait dans notre doigt, dans le majeur. Et tout, on en prenait une autre, on recommençait, et les alors, il y en avait plein sous les pieds. Alors, on triait les plus grands, les plus grands morceaux, qu'on mettait aussi en paquet, et c'était pour allumer les lampes. On allait à l'écurie, prenait une chèvenotte, qu'on appelait ça. Il séparait tout le chanvre. Les trois fils de... Du chanvre, les trois fils, les gros, les moins gros, les petits. Oh, je crois qu'il en faisait encore plus que ça, des fins. Oui, oui, voilà, la alors. La fine, c'était pour faire les chemises d'hommes, la fine fine. La toute fine. Pour faire peut-être les nappes, les serviettes, tout ça. Ben oui. Et puis il y avait l'autre qui était un peu plus grosse, qui faisait les draps. Oui. Et puis l'autre, c'était pour les hommes qui semaient. Ils faisaient leur semoir avec ça. Ils nouaient là, puis ils mettaient la semence là. Oui. Et puis je vois toujours notre père qui faisait tous les trois pas. Tous les trois pas. Puis c'était si drôle. On disait qu'il avait le chic de semer. Alors il attachait déjà son métier. Alors son métier, c'était lui, une grande planche aussi. Il la portait, hein. C'était pas à nous. Et puis alors il avait une série. Deux pointes, de grosses pointes, une autre série qui commençait à être plus fine, l'autre plus fine, et dans le bout, c'était des toutes fines, comme des aiguilles. Alors, il prenait une poignée, lui. Alors, il commençait, lui, par s'attacher avec des sangles, si vous voulez. Il s'attachait après la table, qu'il avait, elle était forte, c'était bien attaché partout, il n'aurait pas pu. Alors, il jetait, mais alors il avait un geste très drôle. Figurez-vous que vous alliez le faire. Hein? Alors, il prenait là. Alors, il se balançait en avant pour déjà les détailler. Le gros, c'est le plus dur. Alors, il tirait là-dessus. Et le geste avec ses pieds qui retournent en arrière, on ne peut pas vous dire, il aurait fallu que vous le voyiez. Alors, c'était une deuxième fois, puis une deuxième fois. Il le faisait déjà, il affinait déjà bien. Ça sortait, c'est suivant ce qu'on voulait en faire. Si on voulait faire des cordes, eh ben alors, il s'arrêtait un moment sur ça. Parce que... Vous avez besoin de cordes, évidemment. Ah, il y avait des cordes, vous savez, pour les chars, tout ça, pour arrimer tout. Il en faut beaucoup de cordes. Le côte d'Éternon, il avait beaucoup de fermes. Il avait un métayer près du château, nous après, fermiers, un autre, ça faisait déjà trois. Deux, trois, quatre. Quatre. Cinq. Six. Je sais pas. Et il venait 2 mois ou 3 mois dans le château. Et le reste, il passait à Paris. Et puis, il y avait un jardinier qui l'envoyait des colis. Des corbeilles de fruits, de légumes, tout ce que. Il expédiait ça par le train. Oui, parce que la jeune comtesse m'a dit à un autre moment
Eh bien, votre fille ne fait rien l'été, ça veut venir faire la cuisine, quelque chose. Moi, j'étais gamine, je me disais, je ne serais pas capable. Mais elle m'a dit, elle m'a montré des livres, elle m'a dit, puis j'aimais beaucoup faire la cuisine, alors je faisais la cuisine l'été. J'étais repassée, les premières années quand j'étais plus jeune, je repassais. Et puis la mère comtesse, elle était énorme. Alors elle avait des chemises de nuit d'une largeur. Alors je disais à la première femme de chambre, il y avait deux femmes de chambre, je disais, mais jamais je pourrais faire ça, oh je ne pourrais pas faire ça. Elle dit, mais si, mais si, mais si, vous allez la mettre À plat sur le le plus dos. possible. Et puis alors vous allez bien la plier en trois. Et puis dessus, vous repassez bien. Vous repassez. Mais vous ne repassez pas le dos de la chemise. Que le devant pour faire bien Ah joli. oui, pour la plier, qu'elle soit belle. Puis ça s'est bien passé. Ah ben alors, à Paris, on a dû rester. À Paris, vraiment, 15 ans. 15 ans plus, je sais plus, ça fait 50 ans qu'on a quitté. On a fait Bois-Colombes et Paris. J'étais en maison bourgeoise, moi, 35 ans. J'ai fait presque un quart de ma vie, 35 ans. Alors c'est pour ça que j'ai encore les façons Les façons de quoi donc? comme j'étais. Et toutes les filles, même de familles un peu mieux que nous, elles sont toutes parties se Oui, placer à oui, Paris. oui, Ma sœur, elle avait 18 ans. J'ai dit, je ne partirai pas si ma sœur ne vient pas avec moi. C'était impossible. Impossible de quitter mes parents, surtout de notre mère. Alors on est partis toutes les deux par une belle-sœur qui nous a trouvés chez les bourgeois. Quand maman nous a conduits jusque. Mais elle n'est pas venue jusqu'à la gare. Elle dit non, je vous laisse là, mes enfants, je vous laisse là. Bon. Eh bien, on a pris le taco. Après, à Autun, le grand train. Hein? C'est un On a grand pris le train pour nous. rapide qui mettait quand même 7 heures. Alors, donc, puis on avait des parents qui étaient déjà venus aller-retour. Alors, vous savez, oh ben, on met des pantoufles dans le train. On enlève ses chaussures. Pourquoi enlever les chaussures? Et on emporte notre manger, notre pain de midi, Oui. puis on Et s'installe et on mange. alors, on s'installe. Alors, mais on a pleuré, vous pouvez pas. Non, personne. Personne ne peut savoir ce qu'on a pleuré tout le temps. Eh bien, mon frère qui est avec nous, pas une fois il nous a dit, vous n'avez pas fini, arrêtez-vous quand même. Pas une fois. Parce que lui était passé et il savait ce que c'était. Ah oui, oui, on était quand même soudés, hein, il n'y a pas de doute. Quel voyage! J'ai pas appris, mais quand qu'on est revenu tout ça, j'avais déjà mon petit papier et j'écrivais toutes les gares pour dire on est passé là, 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 là. Et puis la première fois qu'on est revenu, oh, je trouvais ça vilain. On entendait à partir d'Avallon les airs, les morvandiaux qui roulent les airs. On trouvait ça vilain, c'était affreux. Nous croyez-vous, hein? Tellement Oh! que notre accent ressortait dans ceux qui. Et que, la gare de Saint-Moile, Saint-André, en terre pleine. Puis, alors, on C'était reconnaissait lourd, notre accent. lourd. Alors, on trouvait ça. Eh bien, que c'était pas beau. Qu'ils avaient un drôle d'accent. On reniait notre enfance, qu'est-ce que tu veux? On est venu là parce qu'on avait encore de la famille. Et c'est ça. Il y avait papa et maman quand ils ont décédé, en 54, il n'y avait plus maman, mais il y avait quand même des frères. Frères, boulanger là à Bellevue. Et puis. Dans une ferme, on savait tout faire. C'est vrai, dans le fond. Oh, tout faire, non, pas tout Si, faire. on savait. C'était comme un village, une ferme. Il y avait de tout. Oui, c'est vrai. Et puis parce qu'il y avait du monde aussi. C'est ça. Ben, c'était vivant, on était au moins 13, 14, nous. Oui. Ah Quand il y oui, avait tu des te rends commis. compte quelle nichée.
Thank you.